Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré ce soir à l'economy picking, man. Donc l'economy picking, c'est la même chose que le speed picking. Seulement, on trouve deux trucs sur le sujet, donc je voulais quand même, au sein du vlog, en parler. Donc je vous ai fait trois exercices très très simples, voilà, pour travailler cette technique, sachant que le but du jeu, c'est de maîtriser lentement cette technique, de ne pas se laisser. Sachant que je vous assure que, par exemple, pour jouer lentement avec ça, c'est dur de, par exemple, de, si on est dans un contexte swing. Hein, de faire ça. Sachant que par exemple quand on joue en swing, on a l'habitude de faire bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Par exemple dans quand on débute, je pense, voilà. Après il faut se détacher de ça et puis arriver à maîtriser cette technique, sachant que ça sonne plus fluide que l'aller-retour malgré tout, quoi, voilà. Et le but c'est que lorsqu'on joue, qu'on joue vite ou qu'on joue lentement, que ce soit bien placé, qu'on ait une interprétation même. Donc le premier exercice en fait il est assez simple, tous les exercices sont en Do majeur, d'accord. Je vous montre la triade de Do majeur, vous la visualisez bien, comme d'hab, hein, hein, d'accord. Petit barré comme ça, c'est ce que vous avez là, ou si vous pensez comme ça, ok, toujours visualisé. Et c'est tout simplement, c'est quinte, tierce, seconde, fondamentale. Ba, o, o, ba, ba, o, o, ba, ba. Comme il y a 4 notes, on va se le faire en triolet, hein, pour pas être influencé par le nombre de notes, pour pas que ça fasse. D'accord ? Mais en triolet. 1, 2, 3, 4. Mettez de la nuance. À la tierce. Ok, sachant que alors ça, le but de l'exercice, donc là c'est technique. Après à vous d'essayer de développer ailleurs sur le manche, hein. Je vous donne l'exemple, par exemple si je fais exactement la même chose dans le un octave plus grave, ça fait. Et si je le développe dans l'harmonisation de la gamme majeure, c'est-à-dire selon tous les degrés, là je suis en Do majeur, Ré mineur, Dorien, donc ça, hein, ça n'influe pas, c'est juste la seconde qui va définir si c'est par exemple Dorien ou Phrygien. Mi mineur, hein, je visualise mes triades comme ça, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur, quinte bémol, et Do majeur. Et ça me fait, dans le développement, ça. Hein, mi en mi. Fa, sol, la, si, et do. À vous de développer. 1, 2, 3, 4. Thank you.
redescend. Sol majeur. Sur le Fa majeur. Mi mineur. Avec la seconde bémol. Ré mineur. Et Do majeur. Alright. Donc voilà, ça, c'est dans un solo, vous pouvez le faire, moi ça m'arrive de le faire des fois. Hein. Ok, bon, voilà. C'est surtout, en fait, le but du jeu, c'est de créer, en fait, un systématisme dans les mouvements, en fait, voilà. Hein, pour surtout les contrôler, n'hésitez pas à le faire lentement. Parce que lorsque vous allez faire des phrases, même... Si vous allez faire des phrases sur des trucs lents, il faut que vous puissiez utiliser ça, sachant que je trouve absurde de se dire « Ouais, moi je fais que de l'aller-retour, ouais, moi je fais que du speed picking ou de l'économie picking. » On s'en tape. Il faut que, en fait, c'est la il faut que ce soit la musique qui guide votre... votre pensée, votre technique, en fait. Voilà, parce que si vous commencez à avoir des phrasés qui font ça... en aller-retour, c'est juste pas possible, quoi. D'accord. Sur les pentas aussi, hein. D'accord. Donc, ça peut être un outil bien. Et sachant que je trouve que ça sonne beaucoup moins machine que l'aller-retour quand c'est joué très 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 rapidement. Ok. Deuxième exercice, ça change un petit peu, mais c'est le même style. Là, c'est sur deux temps, c'est facile. Pareil, alors je vous le montre. Toujours pareil, sur le même principe. Hein, je suis sur ces cinq notes là. Do, ré, mi, fa, sol. Ok. Et je pars de mi, je fais 5, mi, fa, sol, mi. Donc je suis sur un coup vers le haut après. Après, je fais do, ré, vers le bas et je refais ba, o, ba, o, o, ba. C'est bien si on... c'est bien pour jouer vite par exemple. Alors le but de ces exercices, encore une fois, dans l'impro, c'est-à-dire là on se débrouille pour que, si vous voulez, pour qu'on tombe sur un nombre pour qu'en fait ça, que le médiator soit dans le sens du changement de corde, d'accord, et que ça fasse bas haut bas haut haut bas bas. Parce qu'en fait, du coup, la technique influe sur la musicalité. Par exemple, si on écoute Franck Gambalé, on se rend compte que cette technique-là influe sur sa musicalité. Malmsteen, c'est pareil. Si, par exemple, vous écoutez et la technique que vous utilisez influe énormément sur la musicalité, vous n'avez qu'à écouter Django Reinhardt, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le gars joue avec deux doigts et beaucoup, beaucoup de phrasés du jazz manouche, puisque Django Reinhardt, c'est... Le jazz manouche, c'est lui qui l'a inventé, ça a été le premier à le faire, et tout le monde a copié Django Reinhardt. Tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas un seul gars qui fait du jazz manouche qui n'a pas copié Django. Et, si vous voulez, les phrasés de Django sont très très influencés, sa musicalité, par le fait qu'il jouait qu'avec ses deux doigts. D'accord. Et, petite parenthèse, dans le jazz manouche, en fait, ce que j'ai remarqué, mais je suis pas du tout un spécialiste, hein, j'ai juste un double CD qu'on m'a acheté de Django. Il est là, oui. Ouais, un double CD plus un bouquin avec. Si vous voulez, les mecs qui font du jazz manouche, quand ils changent de corde, ils font systématiquement un coup vers le bas. C'est-à-dire que par exemple, s'ils jouaient une triade comme ça, bah,
bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. D'accord ? D'accord, donc ça c'est très intéressant comme technique de main droite. Et il y a une autre personne qui utilise ça, c'est Joe Pass. Joe Pass, quand il change de corde. Il fait un coup vers le bas systématiquement. D'accord, parce que je sais, pour ceux qui savent pas, Joe Pass était un énorme fan de Django. Alors, l'exercice suivant, on se le fait un peu au métronome ensemble. 1, 2, 3, 4. C'est assez simple. De la gamme majeure. Alors après ça, vous pouvez le faire sur toutes. Vous pouvez décliner. En fait, ne vous arrêtez pas. Vous exercez les exercices que je vous donne. Vous vous en foutez. En fait, il faut bien que vous compreniez. C'est pour ça que je mets les coups de médiator. Qu'est-ce que l'exercice? Comment l'exercice vous fait travailler? D'accord. Après, par exemple, vous pouvez le décliner comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire. D'accord. Si vous voulez faire, par exemple, je sais pas moi. Peu importe que le tout c'est que vous fassiez. D'accord, tout dépend. C'est vous qui devez vous trouver vos propres plans. Sachant que là, le doigté entre la corde de sol et si, après le doigté sera pas le même. Si je veux faire la même chose ici, ça sera. Et n'oubliez pas de travailler sur les cordes graves aussi, parce que les cordes sont plus grosses et c'est plus dur. Et c'est pas, et je pense que par exemple, personne fait du souping. Et je trouve ça dommage dans les cordes graves. D'accord, donc à vous après de développer. Et le troisième exercice, il est sur trois cordes, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Donc pareil, même schéma, on part de là. Visualisez bien votre triade de do majeur. Je pars de la tierce et je fais bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Je reviens sur le la ici. Et voilà. Comme ça, ça fait bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Haut,
bas, haut, haut, bas, bas. Et on revient. D'accord? Avec le métronome, 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc voilà, après c'est si vous voulez là rien que le fait de faire les exercices en fait avec vous là. Ça me donne des idées après pour phraser. D'accord. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment être utile, notamment si vous jouez vite, parce qu'il faut que ce soit maîtrisé. Ça sonne plus décontracté que l'aller-retour, je trouve, plus fluide. Sachant qu'après, le but du jeu, c'est quand on travaille la technique, comme ça, c'est d'essayer de faire d'une façon musicale. Donc ce que je vous conseillerais, c'est que d'utiliser ça, de mettre une boîte à rythme avec une boucle, un backing track, etc. Et de vous entraîner à improviser comme ça, lentement. Parce que on s'en fout de faire de l'exercice pour faire de l'exercice, on s'en tape. Il faut utiliser ça direct en contexte, sinon... voilà, en tout cas moi c'est pas mon trip de bosser la technique 10 heures par jour, j'ai aucune patience, donc je pense qu'il vaut mieux essayer de faire des phrases avec ça. Sachant que moi c'est ce que je fais par exemple, là que je m'entraîne beaucoup à improviser en son clair, et pas forcément sur des phrases rapides, voilà, mais sur des phrases, n'importe quelle phrase, être guidé par la pensée musicale plus que la technique, ok. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous la monte et puis à demain, bye. Ciao.